Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara : Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre : Suis-moi. L'homme répondit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus répliqua : Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit : Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors que Jésus a commencé hier son chemin vers Jérusalem, le voici qui précise les attitudes requises pour pouvoir le suivre. Ces trois dialogues mettent chacun en évidence l'une de ces exigences de Jésus. Le premier candidat est invité à une grande souplesse, le deuxième à un détachement radical et le troisième à un engagement résolu. Celui qui veut suivre Jésus doit éviter de s'attacher à des sécurités humaines ou matérielles, pour se laisser guider avec souplesse par l'Esprit Saint, et il doit aller jusqu'au bout de son engagement et du don de soi dans un détachement radical. Il doit refuser les tentations de revenir en arrière. Quelle est la difficulté que j'identifie dans ma vie par rapport à la souplesse, par rapport à la radicalité ou par rapport à la résolution? Et je peux alors confier cette difficulté au Seigneur et lui demander la grâce qui m'est nécessaire. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. Qui veut me suivre et être mon disciple doit renoncer à lui-même et au monde. Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Je
Jésus, Jésus, Jésus.